Bonjour mon geek, salut mon nerd et mon otaku, coucou. Bienvenue sur la chaîne Kamen Geeker, la chaîne geek. Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du geek. Et on commence avec un article de Brendan Sinclair, rédacteur en chef sur GameIndustry.biz, qui nous parle de l'application du PJ et de l'ESRB, et notamment de la présence de lootbox ou boîte à butin dans les jeux, et donc la présence sur les boîtes de jeux du logo PJ associé à cette présence. On apprend d'après Léon Siao, qui étudie de très près les lootbox, que 60% des jeux étiquetés comme contenant des lootbox sur le PJ ne le sont pas sur le SRB et inversement. Il semblerait que l'application de l'étiquetage soit faite de manière incohérente, les deux labels appliquant différemment les marquages de jeux avec les mêmes protocoles. Il en va de même sur la plateforme Google Play. Un jeu comme Genshin Impact qui contient des lootbox ne fait pas l'objet de marquage sur la présence de contenu payant aléatoire. Ne reste qu'à OKPJ et à l'ESRB de partager leurs informations et leurs méthodes de marquage pour harmoniser ce même marquage. On apprend ensuite que la licence Monster Hunter de Capcom se porte très bien, puisque l'épisode Rise Sunbreak s'est vendu à 5 millions d'exemplaires, et que Monster Hunter World Iceborne compte 10 millions d'unités vendues. Un vrai succès pour cette licence très appréciée par les joueurs du monde entier. Toujours par Brendan Sinclair, on apprend que Microsoft a licencié 10 000 personnes dans ses rangs, soit 5% de ses effectifs, que ce soit au sein même de Microsoft que dans ses filiales, et notamment jeux vidéo. On sait que Bethesda Game et 343 Industries sont touchés. Les développeurs vétérans ont été prioritairement licenciés, les studios en charge du développement du très attendu Starfield sont durement touchés aussi, faisant craindre un possible report, voire une annulation pure et simple, ce qui serait un vrai coup dur pour l'entreprise. Affaire à suivre. Le jeu Detroit Become Human sur PS4 s'est vendu à l'heure actuelle à 8 millions d'unités. Un joli chiffre pour ce jeu qui fait figure d'ovni dans le monde du jeu vidéo et c'est une très belle histoire. Par le docteur Andreas Lober et Luca Guidobaldi, on a un article qui tente de dessiner l'année judiciaire 2023 dans le milieu du jeu vidéo. Sachant qu'en 2022, on a vu beaucoup de choses arriver, comme le métaverse, les NFT, les intelligences artificielles, la protection des données numériques et des consommateurs, la propriété intellectuelle et sa protection contre les plagiats, entre autres, le contrôle du rachat de studios entraînant des rétractations des acteurs du milieu, la protection de la jeunesse, et j'en passe et des meilleurs. À n'en point douter, 2023 va voir se multiplier les défis dans l'industrie du jeu vidéo, et je suis curieux de voir ce que cela donnera en cours d'année. Par Marie D'Alessandri, on revient sur le mail d'Yves Guillemot dont je vous avais parlé la semaine dernière, hein, le patron d'Ubisoft, qui exhortait ses employés à donner le meilleur d'eux-mêmes, car la balle était dans leur camp. Cette phrase avait semble-t-il été incomprise des équipes, qui voyaient un moyen de pousser aux heures supplémentaires avec un risque de crunch, poussant le syndicat solidaire informatique à programmer une grève pour vendredi 27 janvier entre 14h et 18h. Yves Guillemot a donc organisé une réunion des équipes de direction pour rassurer les équipes sur ses intentions pour 2023 et que les équipes travaillant sur les trois projets annulés ont été réaffectées sur le développement d'autres jeux. Du même auteur, on apprend que Scenario, entreprise développant des intelligences artificielles, a levé 6 millions de dollars permettant l'accès anticipé à son IA, Gen IA. Alors cette IA peut produire des images, des décors, des personnages en quantité en lui donnant des illustrations. Avec ses illustrations, elle crée sa propre charte graphique, identique et homogène aux illustrations de base, automatisant la création de personnages et de décors en quantité, laissant aux artistes la possibilité de se concentrer sur d'autres tâches. 2023 sera l'année de l'IA. Reste à voir ce que cela va donner. Par Brendan Sinclair, on apprend que Activision Blizzard pourrait être poursuivi pour publicité mensongère. Cela concerne le jeu Diablo Immortal avec un item coûtant tout de même 100$ et pouvant causer la mort du personnage joueur si celui-ci était augmenté de niveau. En réponse, Blizzard propose une simple modification du descriptif de l'item fautif. Le syndicat Communication Workers of America qui s'est saisi de cette affaire compte bien faire plier Blizzard. Blizzard, qui ne reconnaît pas ce syndicat, et veut un vote du Conseil National des Relations du Travail. Drôle d'affaire. Jeffrey Rousseau, rédacteur, nous parle du jeu Roblox, dont les utilisateurs quotidiens sont passés à 56 millions de joueurs en 2022, c'est un beau succès. On apprend aussi que l'audience de YouTube Gaming a bondi de 25% en décembre, et que Twitch a compté 1,6 milliard d'heures de vues, c'est incroyable, du record pour toute cette année 2022. Toujours par Jeffrey Rousseau, on apprend que 91% des développeurs pensent que la toxicité
envers les studios et les joueurs est un problème. Publié par la Game Developer Conference chaque année à la manière du SEL français, cette enquête a été réalisée sur un échantillon de 2300 développeurs. 50% d'entre eux disent que l'industrie du jeu vidéo doit se syndicaliser. On apprend aussi que 62% des créateurs de jeux travaillent 40 heures par semaine et 29% d'entre eux entre 36 et 40 heures par semaine. Compte tenu du combat syndical au sein d'Ubisoft, on peut y voir le début d'une syndicalisation dont l'industrie du jeu vidéo a peut-être besoin. Affaire à suivre. Par Brendan Sinclair, on apprend que Bruce Straley, directeur de création du jeu The Last of Us, n'est pas crédité dans la série HBO. Aussi pense-t-il que, encore une fois, la syndicalisation de l'industrie du jeu vidéo est peut-être nécessaire pour faire valoir les droits, financiers ou non, et la reconnaissance du travail effectué. 2023 sera peut-être l'année du changement pour cette industrie, affaire à suivre. Toujours par Brendan Sinclair, on apprend que Google s'est séparé de 12 000 de ses employés. Pour le PDG Sundar Pichai, c'est un passage nécessaire pour gagner en croissance et prendre le virage des IA. Beaucoup de licenciements ces temps-ci, doit-on s'en inquiéter ? Jeffrey Rousseau nous annonce que Vox Media, qui est un site d'agrégation de médias, licencie 130 collaborateurs à cause de la situation économique mondiale. Le syndicat Vox Media Union est vent debout contre ces licenciements qui ont vu partir déjà 39 employés l'été dernier. Quel impact cela aura-t-il sur le média jeux vidéo ? James Batchelor, rédacteur en chef, annonce que Riot Games, qui possède League of Legends, a licencié 46 employés pour affiner la concentration. Année difficile pour le jeu vidéo. Toujours dans le thème des licenciements de masse, on apprend que le site d'info JV, GameSpot et Giant Bomb ont subi une vague de licenciements entre 40 et 50 collaborateurs, et ce après avoir été rachetés par Fandom il y a 3 mois. Voilà qui fait une sacrée loi des séries. Alors plus positif, Nintendo va augmenter la production de Switch en 2023, après une année 2022 de tous les records, puisque la Switch est la console la plus vendue. Nintendo viserait les 19 millions de ventes, sacré défi. Enfin, par Jeffrey Rousseau, Sony annonce que 30 jeux PlayStation seront compatibles PSVR 2, le nouveau casque de réalité virtuelle qui sort cette année. Un sacré pari pour Sony, la première version sur PS4 avait déjà été un vrai succès. Et voilà ce que l'on pouvait dire pour l'actualité du jeu vidéo de cette moitié de semaine. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook Kamen Geeker, sur Instagram, sur YouTube, et vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook Kamen Geeker, le jeu vidéo en partage. Sur ce, à mercredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.